c'est Lara, j'ai 21 ans, j'ai fait un CAP esthétique. Yes! En 2 ans, et puis j'y ai. Pas en filière générale, du coup en filière professionnelle. J'ai créé mon entreprise parce que je commençais à avoir de la demande. Ouais. Il vaut mieux s'immatriculer pour éviter d'avoir des problèmes. C'est mieux. C'est mieux, voilà. Qu'est-ce qui m'a donné envie de monter mon entreprise? Mes parents qui m'ont beaucoup soutenue. Mon beau-père. Ouais. Mon beau-père qui m'a dit que c'était mieux à mon âge de commencer à cotiser pour la retraite et à être, entre guillemets, indépendante financièrement. Il a raison. Clairement, il a raison. Il paraît que c'est plus simple. Non, tu penses? Je sais pas, il paraît. Qu'est-ce qui a été difficile? La comptabilité. Comme elle adore la comptabilité. Voilà, c'est ça, parce que c'est beaucoup de chiffres, c'est beaucoup de tickets de caisse. On ne le sait pas, mais il faut garder le moindre ticket de caisse. Sinon, c'est pareil, c'est très compliqué à la fin de l'année. Bah oui. Il paraît que c'est pareil, il faut garder tous les tickets de caisse. Ce qui a été, je pense, le plus compliqué pour moi, c'est ça. La gestion... Des tickets de caisse. Ouais, ça fait beaucoup, tu vois, mais... Non, la gestion des comptes. Okay. Pas les comptes personnels, les comptes entreprise. Ok. Parce que c'est, en fait, en micro-entreprise, on n'est pas obligé d'avoir une banque professionnelle. D'accord. Du coup, on garde tout dans la même banque. Ouais. Donc, du moment où t'as dissocié ton compte et ton compte entreprise, bah, il faut bien qu'au bout d'un moment, ton compte entreprise, il y ait de l'argent qui reste de côté. Oui. Sinon, c'est compliqué pour continuer. Ça, c'était plus compliqué. Où peut-on te trouver sur les réseaux sociaux? Donc, sur Instagram et Facebook. Et Lara, prends soin de vous. Sur les deux, et la réponse ouais, en vous. J'ai fait simple. Tout simple. Okay. Comme ça, on est sûr de me trouver. Tout attaché. On vous mettra de toute façon les liens dans la vidéo où ils s'afficheront maintenant. Alors on parle, yay. Sur quoi je m'appuie pour faire les prix? Ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent. Je prends les prix grossistes, je rajoute la TVA de 20%, je fais ma marge. Nous, on n'a pas de taux obligatoire en esthétique, donc je fais ma marge en fonction de ce qui me permet de payer mon loyer, mes factures à côté et le petit matériel réutilisable parce qu'on ne pense pas forcément. Et après, je fixe mon prix et j'essaie de faire au mieux pour tout le monde. Pourtant, je suis pas très cher. Dessus, hein. Bah ouais, mais c'est une manucure du coup. Une manucure classique? Ouais. C'est 10 euros. Parce qu'en produit, quand j'achète tous mes produits, bah, on va dire l'huile, l'eau émolliente, les limes, les cotons, la base. Ça me fait 5 à 6 produits, sauf que je vais pas vous faire payer à chaque fois les produits. Mmh. Donc entre guillemets, il faut calculer, je sais pas moi, 10 centimes par là, 5 centimes par là, 30 centimes par là, ça fait un prix. Et après, entre guillemets, c'est à moi de pas acheter en trop grande quantité pour pas être perdante. Là, c'est des calculs à faire. Ok. Après, quel produit utilises-tu le plus? Et pourquoi? Je réfléchis. Ça fait beaucoup parmi tous les produits. Ouais. Les produits que j'utilise le plus, c'est Pélissage, mais c'est pas les produits avec lesquels je préfère travailler. Je préfère travailler avec Ongle 24 et les produits distributeurs. Je sais pas réellement si c'est une marque. Je vais regarder tous les produits, mais je pense que. On va dire ND, les produits ND, qui sont faits en France. Donc du coup, ça fait vraiment travailler que des entreprises françaises. C'est bien ça. Donc. Après, on se produit soins visage, on est Biothéa, produits bio, algotherme, produits de base naturelle, algues, produits à Landerneau. On essaye vraiment de faire... Petit consommateur, là, pour le coup, c'est vraiment la Bretagne, quoi. Bah, algotherme, c'est assez connu, mais l'usine, vu qu'elle est à Landerneau, on se dit, on essaye de faire dans le local. Donc voilà, Pégissage, j'aime pas trop parce que c'est international et, entre guillemets, ils font... En gros. Donc, voilà, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, je trouve. Après, je suis ouverte tous les jours. Ouais, le dimanche. Sur rendez-vous une semaine à l'avance. Ok. Jour férié quand j'affiche sur la page Facebook que je suis ouverte. D'accord, c'est tout. Si on a besoin de venir un jour férié, on consulte la page Facebook. Ouais, ok. Parce que généralement, les jours fériés, je suis pas ouverte quand ça tombe un samedi. Parce que généralement, c'est là où j'ai pas de demande. Parce que quand ça tombe un samedi, les gens ils préfèrent. Ils sont sûrs d'avoir leur week-end pour ceux qui travaillent, on va dire, à la semaine. Donc ils n'ont pas besoin de poser de jour. Donc généralement, c'est. Il y a personne le samedi. Ouais. Okay. Le lundi, j'ai plus de demandes déjà. Quand c'est des jours fériés le lundi et quand c'est en semaine, bah, les gens ne voient aucune différence. Mmh. Donc ça sert à rien de fermer. Vacances d'été, je suis toujours ouverte. La seule semaine où je suis fermée sûre, c'est la première semaine du mois de janvier. D'accord. Parce que l'expert comptable a besoin de beaucoup de tickets de caisse. C'est une fois la chira. Yes. Le bilan annuel ne se fait pas tout seul. Et vu que je suis très rigoureuse, tu vois, bah, d'accord. J'essaye au fur et à mesure et puis on espère que le changement de statut nous permette d'avoir beaucoup moins de trucs à gérer. C'est ça. Voilà. Et au niveau horaire, 10h-20h. C'est quand même super large. Ouais. 20h après, c'est si jamais c'est la même cliente, tu vois, qui dépasse jusqu'à 22h, ça rentre dans le créneau 20h.
D'accord, donc oui, donc on peut même venir très tard te voir, quoi. Ouais. Comme ça. Comme aujourd'hui, on est là, il est 23h18, yes. Voilà, et je prends pas j'allais dire les animaux et les enfants. Elle ne prend pas les animaux, donc c'est parfait, on pourra pas dire. Non, mais faut pas venir avec les animaux et... en fait, mais t'as la même phrase, les animaux et les enfants, j'ai l'impression que ça fait étrange. Moi j'aime pas les gosses et j'aime pas les chiens. Okay. Non, les animaux c'est pas raison d'hygiène et les enfants c'est pas raison de matériel parce qu'on m'a cassé beaucoup de choses. Alors j'en ai dit. Alors maintenant c'est un peu. Voilà, c'est bon, les parents ne veulent pas rembourser donc on peut prendre les accompagnatrices ou les accompagnateurs. Bah, quand c'est pour des massages, oui, c'est. Voilà, ouais. Ça me paraît un peu compliqué. Évident entre pour les ongles, ça dérange pas. Des fois je sais que le rehaussement de cils ça interroge beaucoup. Donc, les gens aiment bien voir, ouais. Ok. Parce que vu que vous avez les yeux fermés, vous, au final, personne ne sait ce que je fais. Oui, c'est ça. Donc, Et après, sinon, on est amené à en faire un, parce que Loupi a parlé d'en faire un. Je viendrai filmer peut-être, comme ça, moi, on aurait une vidéo sur ça. Loupi, tu vas me coûter cher, t'as des cils super beaux, non? Ouais. Faut que j'achète deux patchs. Ouais, mais là, c'est foutu, regarde. Là, c'est des cils, il n'y a pas de faux cils. Je crois que j'ai jamais eu une cliente avec des cils. Il va falloir que j'achète des patchs XL, mais c'est pas de soucis. Sinon, au pire, on fera sur moi, parce que j'ai des bébés cils, tu vois. Moi, tu seras la cobaye, je sais si ça fonctionne. Oh, et c'est toi qui vas filmer. Oh merde. Mais non, on va poser l'appareil. Non, ouais, clair. Elle a plus confiance. Elle fait poser l'appareil. Non, on va poser, vaut mieux. Ça peut être une expérience à faire. Tes cheveux, ils prennent bien les boucles. Quand tu vas chez le coiffeur, ça prend facilement. Ouais. C'est une question de poser. Sinon, Cécile, je suis pas sûre que c'est chez le coiffeur tes cheveux. Non, ça prend, j'ai déjà fait un. Les rehaussements de cils, combien ça coûte? C'est 30 euros et avec la coloration que je conseille généralement. Oui, comme ça, tu mets plus mascara. Tu mets vraiment. Quitte à le faire. Après, j'ai des clients qui ont les cils très très noirs, ça sert strictement à rien. Parce qu'après, ma teinture serait plus noire que ce que la déjà. Et en plus de ça, à partir de quel âge tu prendrais les personnes pour faire les rehaussements de cils? 16 ans. Avant, je suis pas sûre que je suis couverte par la surdité. Parce qu'en soi, le rehaussement de cils, c'est toxique à n'importe quel âge. Mmh. Après, sur les enfants, vraiment bas âge, voilà, mais je veux dire... Et ça tient combien de temps? Dans la durée, ça peut être de un mois et demi. En fait, tu te rends pas, ce qui est bien avec le rehaussement de cils, c'est que quand ça fait, tu t'en rends pas compte. Mmh. C'est pas comme avec l'extension, où quand tu perds tes cils, bah t'as plus de cils. Tu les perds, quoi. Tu vois. Okay. Au final, c'est plus naturel et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne bien. Mmh. Tu fais pas autre chose pour les cils, pas justement mettre des cils en plus? Non, je fais pas d'extension. Je sais pas, je me dis, c'est pas que j'ai pas la patience, c'est que si jamais je mets un cil dans l'œil avec la colle. C'est 2 heures en plus, hein, à cause des cils. Ouais, ouais, ouais. J'ai une amie, j'ai pas le temps dans mon emploi du temps à le caser. C'est pour ça que quand j'ai loué la cabine, je voulais une fille qui fasse les cils. Bon, au final, c'est une fille qui fait des massages, donc ça reprend la clientèle de Laura, c'est tout aussi bien. Mm-hmm. Mais je pense mettre ma cabine en location, on va dire, pour que je ferme un jour dans la semaine pour les cils, parce que j'ai énormément de temps. Ok. On va peut-être en futur projet. Ouais, bah j'ai déjà des filles qui sont chaudes pour le projet. Ok. Mais après, c'est pareil, il faut que je fasse confiance. Bah oui. Du coup, c'est ma qualité qui est utilisée à la journée. C'est ton nom, du coup, qui est ici, quoi. Bah ça. Après, c'est pareil, avec la clientèle, faut se bien expliquer. C'est sûr que la clientèle, enfin, que la fille qui viendra est bien déclarée dans son RSI, et est assurée. Donc, c'est ça. T'as mis combien de temps à créer ton entreprise? Niveau papier? Ouais. 3 mois à peu près. Ouais. En fait, t'es obligée de faire des stages obligatoires pour cette comptabilité. Non, c'est des stages en gros où ça... Je trouve que c'est bien fait quand tu sais pas trop comment démarrer. Mais après, c'est pas assez poussé pour pouvoir continuer à évoluer. Tu vois, c'est bien si tu restes à un stade... t'évolues pas. Basique, quoi. Ouais, voilà. Okay. Après, dès que t'évolues, je pense que c'est quand même nécessaire de voir un expert comptable tous les ans. D'accord. Tu fais beaucoup de stages pour tout ce qui est ongles? J'en ai fait beaucoup. Et au final, tous les stages donc que j'ai fait, polygel, les trucs comme ça, c'est des trucs qui sont très vite démodés. Elle a fait des stages qui servent à rien. Voilà. En fait. En fait, les ongles, ça change trop. Ça change. Mais t'essayes quand même de rester au bout du jour. Bah, du coup, baby boomer que j'ai pas fait et que visiblement. Tu vas faire. Il va falloir que je le fasse, c'est pas possible. Oui. Après, les formations sont à Rennes et ça nous demande énormément de modèles. Ils nous en demandent 6 pour 2 jours. Donc ça me fait 6 modèles à loger sur Rennes pendant 2 jours et à amener.
Donc c'est aussi, ouais, c'est des choses à prévoir, entre guillemets. Bah, au cas où, hein, si vous êtes sur Rennes, si vous êtes sur Rennes et que vous voulez faire sur Facebook, Rennes, et puis disponible telle heure, rien sur les ongles, et libre pour ton motif. Après, pour les ongles, c'est facile, puis genre, t'as très peu de gens qui disent, ah, mais non, bah, moi, je vais pas telle couleur, quoi. Ok. Pour les cheveux, je pense que c'est plus compliqué. Oh, oui, bah oui. Après, pareil, un patron, une personne qui, n'importe dans quel domaine, peut passer de tout domaine à tout domaine. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire un stage de coiffure, je peux, parce que je suis patronne, faire un stage rémunéré, parce que entre guillemets on paye dans nos charges sociales tous les mois. Je crois que c'est 30% sur notre cotisation qui va aux formations. Okay. Donc ça veut dire que si jamais moi j'ai envie de, je sais pas, me mettre à la coiffure du jour au lendemain, et ben c'est payé par, par le RSI, entre guillemets, je peux devenir coiffeuse sans passer par l'école, entre guillemets. En tout cas, je peux le proposer à la vente. Pas mal. Oui, du coup tu peux te... Mais parce que, on va dire que moi là j'ai pris l'exemple de coiffure. Pied, quoi. Mais je veux dire, tu peux faire ça avec tatouage, tu peux faire ça avec... Oui, voilà. Dans ton domaine, tu peux vraiment diversifier, ouais. Donc c'est quand même pas mal. En tout cas, pour moi c'est cool, après dans d'autres domaines je peux comprendre que ce soit des sujets qu'on entend pas mal revenir. C'est vachement critiqué le fait qu'on puisse un peu tout faire quand on est patron. Ouais. Justement, les... Après, te diversifier dans la beauté, c'est quand même... Comme c'est quand même assez vaste. Je trouve que c'est quand même une chance qu'on puisse faire des formations gratuitement. Je trouve ça aussi. Je pense que quand on voit le prix d'une formation onglerie, ça peut vite monter à 1 200 €. Voilà, quand on est patron, on n'a pas forcément déjà, c'est quoi, c'est sur une semaine une formation de classique. Déjà, tu perds une semaine, donc une semaine de travail, 1 200 €, quelqu'un pour te remplacer. Ça coûte beaucoup. Après, même si je pense que le déplacement, ça revient cher. Après, si jamais je devais donner un conseil pour s'immatriculer, c'est de faire les stages gratuits. Gestion de sa page Facebook, gestion de l'entreprise, BABA comptable. Même si on n'aime pas la comptable. On n'évolue pas. BABA comptable, on est obligé. Je pense que franchement. Ou alors on est inné en genre la comptabilité, ouais. C'est pareil, tout de suite logique. Ah ouais, et pas faire de comptable papier. Ils aiment pas ça, les études. Faire comptable, c'est pas plus cher. Mais ouais. Et 3 mots pour décrire ton. Accueillante. C'est vrai. C'est ça, je pense. Chaleureuse, ça va ensemble. Je pense qu'on peut très rarement me reprocher que je suis en retard. Non, je fais quand même. T'es ponctuelle. Ouais, c'est vraiment un truc que j'essaye de m'y tenir. Je crois que ça a dû arriver 2 fois d'avoir plus de 10 minutes de retard. Ok. C'est vraiment un truc que j'y tiens normalement. Et hyper réactive. Sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Sur la SNS. C'est vrai, on l'a contacté il y a deux jours. On l'a dit il y a 2 jours. Au fait. Est-ce qu'on peut venir? Oui, d'accord, bon, ok. T'es très à l'écoute de la demande, des petits soins, tu refais s'il y a quoi que ce soit qui se passe mal. C'est pas partout comme ça. Donc non, franchement, c'est trop cool. Et après, si vous avez d'autres questions, bah, laissez-les en commentaire, on essaiera de les transmettre à Elara et de vous apporter sa réponse. Et puis, bah, c'est tout. C'est cool. Merci, Elara.